charge ça, donc je l'ai dit. Et puis on m'a dit, notez vos rêves, c'est une induction des rêves. Et c'est un jeune qui est revenu la fois d'après, il avait tout noté, tous ses rêves sur un carnet. Il avait pris les choses en gros. Et donc, on a eu une séance où on a pu parler comme ça de son activité onirique. Alors, je ne peux pas tout vous le dire, c'était extrêmement riche, ça mettait en figure et en image tous les conflits qu'il avait vécu. Alors, je vous donne un exemple. Il dit, j'ai rêvé que j'étais sur une route. Et il y avait des gens en uniforme qui se battaient. Et moi, j'étais là, j'avançais. Et je n'étais pas atteint par les balles. J'avançais. Alors ça, c'était super intéressant parce que, vous voyez, il n'y a pas de symbole. Bon, si, un conflit quand même. Et surtout, il s'est arrivé à un moment où il avait pu nous raconter. Alors lui, il avait une facilité pour raconter son histoire. Et il nous a raconté, alors je vous la fais courte, hein, parce que c'est une histoire, c'est un peu compliqué. C'était un jeune Guinéen qui était issu d'une alliance alors mixte, c'est-à-dire probablement deux ethnies qui ne devaient pas se marier, mais surtout d'une mère chrétienne et d'un père musulman. Ce qui, alors, pas toujours le cas en Afrique, mais dans son cas, c'était quelque chose qui était conflictuel. Donc les parents ont été séparés, l'enfant a été confié au père, et la mère s'est remariée. Je dirais dans son groupe ethnique. Et le père a été remarié à une cousine. Donc ça, c'est fréquent, c'est ce qu'on appelle les mésalliances, c'est-à-dire une alliance qui n'est pas conforme au groupe. Le garçon a vécu avec sa marâtre, donc il a été très très maltraité en fait pour des raisons qu'on pourrait développer. Et finalement, il a été déplacé dans son au village pour être surtout initié à la religion musulmane, c'est-à-dire qu'il est allé à l'école coranique. Et lui, en fait, il voulait adhérer à la religion de sa mère. Mais son père lui avait dit, pas de question que tu adhères à la religion de ta mère, il faut que tu adhères à la religion de lui. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert parce que, d'une part, il avait perdu sa mère tôt, parce qu'il avait été l'objet de maltraitance de sa marâtre, alors que son père ne le défendait jamais. Et son père finit par mourir. Il s'est trouvé en danger par rapport à la marâtre qui a essayé de s'en débarrasser. Donc il est parti en exil avec sa sœur. Sœur aînée, même père, même mère, comme on dit. La sœur est morte pendant le voyage. Il ne l'a pas vue mourir. Mais le passeur, c'est une longue histoire, lui a dit, la sœur est morte. Donc il est arrivé en France très très mal, et surtout extrêmement culpabilisé d'avoir fait mourir sa sœur en France. Vous voyez, je reviens au rêve. Donc le chemin, en gros, on l'a interprété comme, je dirais, le chemin à nouveau possible. Comme si c'était une figuration, au lieu qu'il se trouve dans une impasse, migratoire, fétiche, à nouveau la route pouvait se développer. Et dans cette route-là, il marche des conflits, on peut dire, on peut dire, mais c'est peut-être les conflits de votre père et de votre mère, les conflits entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Ça passe au-dessus de lui, mais ça ne l'atteint plus. C'est-à-dire comme si, dans la relation psychothérapeutique, et c'est ça l'important, enfin, vous pouvez trouver le lieu, vous pouvez parler de ces conflits sans se sentir en danger. Donc là, le rêve, il est vraiment la mise ensemble, la figuration des conflits et surtout, je dirais, l'intention du groupe, certainement, de pouvoir aller mieux. Deuxième rêve, le rêve, c'est une piscine où il y a des enfants blancs et des enfants noirs. Et ils voient dans l'eau des drôles d'animaux. Il y a une femme qui lui dit non, non, t'inquiète pas, c'est pas dangereux, c'est rien. Allez, on va aussi, on va essayer de réfléchir. C'est bizarre quand même, les enfants blancs, les enfants noirs. Comme ça figurait au fond votre migration, avec des blancs, et c'est les noirs. C'est un rêve, là, où tout d'un coup, il y a des choses qui tombaient, se mélangeaient un petit peu, mais de toute façon, un mot ne se passe pas conceptuel. Troisième rêve, il arrivait à. Alors là, c'est un rêve un peu plus compliqué, je vais vous donner une. Il est porté par une jeune fille, il est sur le dos d'une jeune fille, et la jeune fille. Et au cours de la course, il se rencontre. Mais il se rencontre avec une intention sexuelle. C'est-à-dire il se plaise en quelque sorte. Et au moment où il va passer à l'acte, comme on dit, un homme apparaît. Et alors, attendez que je ne me trompe pas, c'est super important, c'est
le garçon, donc le rêveur, qui demande des sous à l'homme. L'homme donne des sous à la jeune fille. C'est un rébus. Je ne donnerai pas d'interprétation. Et donc on a réfléchi ensemble à ce rébus, comprendre ce moment-là. Les deux théories dont je vous ai donné, qu'est-ce que ça veut dire de l'histoire de notre tradition? Qu'est-ce que ça veut dire aussi de sa tradition et de l'intentionnalité de la tradition? Je m'arrête là-dessus. En termes d'anthropologie, ou comme vous avez eu à l'expliquer, le pays a connu donc une succession de crises, donc les rêves se sont multipliés. Au niveau des liens de famille, on a des rêves qui sont là. Et puis après, au niveau donc de sa vie sentimentale ou professionnelle, on a des rêves qui viennent donc rêver à un serpent, rêver à l'argent qu'on a, qui tombe du ciel, on mâche sur l'argent, on ramasse l'argent, on désordre. Donc il y a ce type de rêve-là. Bon, il nous est arrivé aussi d'écouter des personnes nous confier leurs rêves dans la situation socio-politique qu'on a connue, où des gladiateurs sont entrés dans le pays, la personne qui rêve, et puis de gros gaillards sortent de la mer avec des armes qui tirent sur tout le monde. Ce type de rêve, on en a entendu parler. Et puis, donc ici, c'est le vase vraiment des rêves. En ce qui concerne les questions, moi, est-ce que c'est bon ce que je fais quand je demande à quelqu'un, le rêve que vous avez fait, est-ce qu'il vous effraie? S'il vous effraie, c'est qu'il y a peut-être un cheminement à faire au niveau de la prière. Le rêve que vous avez fait, est-ce que vous l'avez oublié? Le rêve que vous avez fait, est-ce qu'il vous revient régulièrement? C'est pour présenter ces cas de rêve. Donc, pour être plus concis, quand on fait un rêve qu'on l'oublie tout de suite, qu'on l'oublie, on a rêvé, il a été intense, mais le matin au réveil, on l'oublie, on n'a plus souvenir, on sait qu'on a rêvé, c'était un peu cauchemardesque, mais on ne sait plus. Et puis après, il y a un rêve qu'on fait, il n'est pas trop difficile, mais on n'arrive pas à l'oublier. Et puis, il y a des rêves qu'on fait qui nous effraient toute la journée durant. Est-ce qu'il y a une interprétation à ces niveaux-là? Je ne sais pas si ça existe au niveau de la thérapie, au niveau de, voilà, de la science qui est la vôtre. Est-ce que ça a un sens? Oui, bien sûr. Alors, ce que vous dites, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais on va rêver aussi avec les éléments de notre société. Comment si on est dans une société en guerre, ou si on est sous une dictature aussi, vous savez, les chercheurs qui ont relevé les rêves de personnes avant qu'ils vivent sous Hitler. C'est-à-dire que les matériaux du rêve sont issus du contexte où on va vivre. Donc effectivement, si vous êtes un pays en guerre, vous allez être envahi par des images de guerre, des frayeurs, des victoires avec des figures différentes. Alors, on oublie le rêve. Dans la théorie qui est la mienne, dans la théorie psychanalytique, on dit que le rêve ne réveille pas le dormeur. Si il réveille le dormeur, c'est un cauchemar. Donc, effectivement, un cauchemar, c'est le signe que, comment dirais-je, le rêve n'a pas été métabolisé en quelque sorte. Il a une charge beaucoup trop angoissante et que le psychisme, en quelque sorte, n'arrive pas à le métaboliser. Parce que normalement, un rêve qui fonctionne bien doit pouvoir s'oublier. On peut s'en rappeler, on peut le comprendre, mais ça, c'est le travail psychique normal. Si vous n'oubliez pas, c'est là effectivement où il y a une attitude, pourquoi j'ai rêvé ça. Et c'est là justement qu'il faut aller voir quelqu'un. Alors, chacun selon sa tradition, il va voir son psychothérapeute, il va voir son guérisseur, le prêtre, je ne sais pas qui. C'est là. Et c'est là où le rêveur est vulnérable. C'est-à-dire qu'il sait qu'il se passe quelque chose en lui, et il ne va pas le confier à n'importe qui. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très, très communes. Quand on rêve, c'est qu'on veut donner un message, on veut dire quelque chose. Alors, le rêve émet toujours un message, transmet le message. Moi, par exemple, je prends mon cas. Quand moi je rêve, c'est que immédiatement l'acte se passe. Ça, c'est mon cas. Si moi je rêve que je prends un exemple,
de Dieu pour un bon rêve, que vous allez avoir de l'argent, c'est que ce jour-là, vous l'avez. Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien quand je rêve que vous allez mourir, c'est que vous êtes sur le point de mourir. C'est comme si quelque chose avertit. Comment? Voilà, c'est bon. Pour moi, c'est systématique. Et souvent aussi, quand vous rêvez, puis vous venez me dire, ce que je vais vous interpréter, c'est que ça va se passer. C'est ce qui se passe. Donc, je n'ai pas encore eu la chance de voir un psychologue. Parce que peut-être que je me dis que moi, je suis un psychologue, puisque je vois en même temps ce qui se passe. Mais je voudrais que vous êtes là pour que vous me dites. C'est aussi systématique, c'est rêve quand je fais. Parce que ça s'est plusieurs fois passé, et depuis tout, c'est comme ça. Dès que je rêve, c'est que c'est quelque chose, c'est un méchant fort que ça me dit. Ou bien ça vient me dire, attention, dis à telle personne de faire très attention, parce qu'il y a telle chose qui va l'arriver. Peut-être au moment où je suis, si je ne viens pas vite te dire, je vais venir trouver que là, c'est passé. Mais au moment où je te dis, si tu fais, le lendemain ou deux jours après. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas donner son rêve à n'importe qui. Mais justement, je ne donne pas à n'importe qui. Imaginez que je rêve et que je vois dans ton rêve et que je me disais, ben ça, c'est un rêve de prémonition qui va t'arriver quelque chose, je vous rends compte, c'est horrible. C'est ça. Non, ça fait que moi, je me dis, je ne peux pas dire ça, mais je transmets ça en prière. Je prie pour la personne, mais je ne peux jamais aller dire à la personne que voilà, c'est ça qui va t'arriver. Parce que je peux même de te dire, c'est comme si j'avais déjà. C'est un acte préméditoire. En fait. Donc, je fais beaucoup attention à cela. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je sais pas. La réponse. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, d'une façon assez universelle, le rêve a toujours été une prémonition, souvent. Souvent, elle a été interprétée comme ça. Un peu moins chez nous. Encore qu'il y a des gens qui disent j'ai rêvé ça, peut-être le signe qui va m'arriver, ça et ça. Mais je dirais que ça correspond quand même à une tradition de l'interprétation du rêve. Alors, il est vrai qu'il y a des gens qui ont l'intuition, confiance, ça c'est indéniable, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des gens qui sont extrêmement intuitifs, qui vont ressentir des choses, voilà, mais ça c'est ce qui sort, hein. Même la psychologie elle a du mal à expliquer, c'est des gens qui sont hyper intuitifs. Alors il y a des gens qui sont tellement intuitifs qu'ils en font une pratique de soins, obligatoire. Je sais pas si vous avez un livre, j'avais dit, alors à Madagascar, des gens qui sont venus des médecins, c'est des gens qui sont doués de pas mal de choses utilisées. Pour la travailler. Après, il y a aussi, hein, on voit souvent en famille, des gens qui disent là, j'ai rêvé qu'un tel allait mourir, est-ce que vous pensez qu'il va mourir? Alors, et que dit votre tradition? Elle dit, ah ben, si on rêve quelqu'un mourir, c'est un signe de longue vie, tu peux régner. Donc, on peut toujours renverser la tradition et dire, vous voyez, même dans la tradition, on peut se tromper aussi dans sa propre intuition. Mais voilà, je ne veux pas donner d'explication, mais après l'argent, si vous voulez, l'argent, il y a aussi des symboles autour de l'argent, c'est-à-dire que, est-ce que l'argent est un symbole, c'est-à-dire veut dire autre chose, ou est-ce que c'est vraiment un signe de richesse? Vous voyez, dans certaines interprétations, si on rêve de l'argent, c'est pas forcément qu'on va devenir riche, c'est juste un déplacement pour dire autre chose. C'est pour ça que le rêve s'apparente à un rêve. C'est que dans l'interprétation, te dire... C'est pas le signe d'une richesse, mais ça peut être, je ne sais pas moi, le signe d'autre chose. Alors, je n'ai pas d'exemple qui m'a lié. Mais bon, en tous les cas, on n'est pas tous égaux devant le rêve. Il y a des gens qui rêvent beaucoup, qui sont très intuitifs, des gens qui ne rêvent pas beaucoup, qui ne sont pas très intuitifs. En fait, moi, je ne rêve pas beaucoup. Quand je rêve une fois, il ne faut pas aller trop près du volant. Je peux comprendre que pour des personnes qui sont en difficulté, qui ont des problèmes, et la question, disons, de l'interprétation de rêve, pour moi, c'est bien, ça se pose, c'est normal. Mais pour des personnes qui apparemment
semble en bonne santé, vouloir forcément interpréter ses rêves peut devenir un piège, peut être même une difficulté. Sur moi, dans mon cas, souvent quand je rêve, quel que soit le rêve, bon, je n'accorde pas trop d'importance. Parfois quand ça me fatigue un peu, peut-être prier et me dire des choses. Mais je me suis rendu compte que quelquefois avec des personnes, quand on échange, ça m'a fait peut-être prendre conscience ou bien peut-être de manière négative, faire en sorte que parfois mes rêves peuvent me faire peur. Alors au départ, bon, vraiment ça, je n'ai pas tous les. Est-ce qu'il n'y a pas un piège à vouloir, pour quelqu'un qui apparemment se sent bien, à vouloir continuer à décréter? Moi, je peux vous répondre selon ma formation, le rêve, c'est aussi une façon de se connaître. Hein, parce que si on admet l'hypothèse que ça dit quelque chose de nous, de notre passé, de notre conflit, de nos conflits, ça peut être une façon de se connaître. D'ailleurs, devenir un inventeur de la psychanalyse, c'est comme ça qu'il l'a utilisé. Il a essayé de comprendre sa vie psychique, ses relations à son père, notamment, les relations à sa mère, les relations avec ses proches. Donc, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas forcément dangereux, ça peut être désagréable. C'est-à-dire, par exemple, découvrir en soi des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait, qui est contraire à nos valeurs, contraire à. Sont frappés d'interdits, voilà. Donc ça, c'est effectivement, ça peut être une découverte désagréable ou troublante, mais c'est pas dangereux en soi. C'est une façon, pour moi, de se connaître en profondeur. Parce que si vous voulez, l'hypothèse de la psychanalyse, c'est qu'on a une partie qui est cachée en nous. C'est-à-dire l'individu ne maîtrise pas tout de sa vie. Il y a une partie obscure, je dirais cachée, et qui va se révéler dans les symptômes, ce qu'on appelle les symptômes, les actes, mais aussi dans les rêves. Et pourquoi c'est caché? C'est parce que souvent, c'est en contradiction avec les valeurs de notre société. Pas que, mais en particulier. Donc, effectivement, si vous êtes un rêve qui dit quelque chose de ce qui est caché en vous, vous pouvez comme ça créer des actes. Voilà, c'est comme ça que je fais. Oui, je veux dire un peu, quand vous avez parlé de l'invisible, vous avez pu limiter un peu le côté occident, voir comment l'invisible a appréhendé. Mais le côté africain, ça devient piège parce que si on va sortir, aller dans le côté invisible parfois, ça devient très compliqué. Je suis vraiment, je veux dire heureuse pour cette formation parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves, mais mes rêves ont tout le sens. C'est-à-dire que je rêve à tout moment de diverses choses. Et il y a quand même un rêve qui m'avait traumatisé il y a à peu près une année de cela, où j'avais vu, parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche, et la veille, j'avais vu beaucoup de sang dans mon rêve, comme si on avait poignardé quelqu'un, et je suis venue tomber dessus. Et je me suis réveillée en sursaut, et puis j'ai commencé à prier. Et le lendemain, il y a eu un accident, et j'ai perdu quelqu'un de très proche. Et je me suis toujours voulu parce que je me suis dit que j'avais fait le rêve quand même la veille. Pourquoi je n'ai pas parlé? Pourquoi? Mais sincèrement, je n'ai pas eu envie. En fait, d'abord, quand je me suis réveillée le matin, j'avais oublié le rêve. J'ai carrément oublié que j'avais rêvé. C'est quand on m'a annoncé l'accident que je me suis souvenue du sang et de tout ce que j'avais vu la veille. Donc, après, je m'en voulais à moi-même. Je me disais, mais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et puis j'ai oublié le rêve, pourquoi je me suis réveillée le matin, je n'ai pas pris au sérieux, pourquoi je me suis posé beaucoup de questions. Et après, bon, je continuais de faire des rêves dans tous les sens. Souvent, je parle avec ceux qui sont partis, les mêmes qui sont décédés. Mais ce n'est pas que ça m'effraie, hein. Je peux voir la personne en rêve, donc je suis, mais la personne ne m'effraie pas du tout. On parle, je me réveille. Et puis j'essaie moi-même d'interpréter le rêve, souvent j'en parle au père Paul. Souvent je ne m'en parle, mais je suis un peu prise un peu dans ce truc-là. Je rêve tout le temps, je vois des choses, je parle. Mais bon, aujourd'hui je pense que quand même j'ai eu quelques réponses. J'ai eu quelques réponses à tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Je vous dis merci. Voilà.
Pour moi, c'est ça. Vous dites surtout merci parce que j'ai quand même eu beaucoup de réponses aux questions que je me posais. Je... Mais moi, je veux savoir la vision et la différence. Parce que souvent, on est là, on entend dans la radio, ah, vraiment, j'ai une vision en décembre 2018, il y aura un problème, vous serez là.